Bienvenue dans Les Vraies Voix, aujourd'hui avec Philippe David, à qui je dis bonjour. Bonjour Cécile de Ménibus. Est-ce que vous me permettrez de vous livrer un scoop, mais en chanson? Ouais. C'est parti. Ah, c'est pas parti. Non, Maxime. C'est parti loin, mais trop loin même. C'est parti trop loin. Sinon, ça va, Philippe David? Ça va très bien, mais oui. Écoutez... C'était un scoop en chanson. Alors, là, je vous dis ce que c'était. Il y a eu un petit problème technique. C'était la chanson des Négresses Vertes, Voilà l'été, vous savez, parce que nous sommes le jour de l'été. Et quand je vois le temps qu'on a eu depuis 3 mois, j'aurais plutôt l'impression qu'on sort de l'automne et qu'on arrive en hiver. En tout cas, c'était bien de l'annoncer parce que ça ne se voyait pas. Ça, c'est sûr. Et j'avais, pour vous dire, complètement oublié. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, ce vendredi. On espère que vous êtes sur le départ de votre week-end. 0826 300 300, avec Aude qui vous attend. Et bien entendu, le sommaire de cette émission. Et si on démarrait par le jeu, tiens? Allez, on démarre par le jeu. Allez hop, on est comme des fous. Et vous allez pouvoir encore aujourd'hui avoir la possibilité d'assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et là, on parle de basket. Absolument, du basket. Alors, ça va être magnifique. Il y a toutes les plus grandes équipes aux JO pour le basket. Il y a évidemment nos Français, médaille d'argent il y a 4 ans. Il y a les Américains qui sont toujours au summum. Il y a les Serbes. Et pour gagner 2 places, le 2 août à 17h15 au stade Pierre-Mauroy de Lille, il va falloir choisir un chiffre, Cécile. Eh ben, mettez-vous d'accord toutes les deux, Maddy et Virginie. Et Maddy et... Elles ont dit 3. 3. Et ben le 3e appel. Elles l'ont très bien dit d'ailleurs. Elles ont fait 3 comme ça. Très beau 3. Le 3e appel au 0826 300 300 gagne 2 places pour le 2 août à 17h15 au stade Pierre-Mauroy de Lille pour le basket olympique. Et je peux vous dire, j'ai déjà vu du basket pro. C'est un grand spectacle quand on le voit de près. Et c'est offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel. Vous allez gagner ces 2 places et donner la possibilité à une personne en situation de handicap visuel de vous accompagner. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on démarre cette belle émission jusqu'à 19h avec le sommaire aujourd'hui. Pour le grand débat du jour à 17h30, Édouard Philippe a affirmé qu'Emmanuel Macron a pris sa décision seul et de manière souveraine et a, selon lui, tué la majorité présidentielle. Critique de la dissolution, l'ancien Premier ministre a également évoqué l'opportunité de créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes. Et parlons vrai, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas gâché ses plus fidèles lieutenants? Est-ce qu'il a encore d'ailleurs de la crédibilité aux yeux de son propre camp? Et à la question du jour, du grand débat. Comme l'a dit Édouard Philippe, Emmanuel Macron a-t-il tué la majorité présidentielle? Vous dites oui avec un score brejnevien de 93%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels et elle ne s'appelle pas Aude Brejnev. Au 0826 300 300. En tout cas, à ce qu'on sache. Frédéric Sinclair sera avec nous, politologue, auteur de La Refondation de la Droite, publié chez Salvatore, et de L'Extrême Droite expliquée à Marie Chantal, publié à La Nouvelle Librairie. Et le coup de projecteur des Vraies Voix à 18h30. Indignation contre Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis. Des centaines de personnes se sont réunies sur le parvis de l'Hôtel de Ville, c'était à Paris, mercredi, pour protester contre la hausse de l'antisémitisme en France, suite au viol brutal d'une jeune fille juive à Courbevoie. Le drame survenu samedi dernier a provoqué une onde de choc à travers le pays, en plein cœur de cette campagne législative. Alors parlons vrai, êtes-vous surpris par le comportement d'une partie de la gauche vis-à-vis de l'antisémitisme? Est-ce que pour vous, l'antisémitisme a majoritairement basculé de l'extrême droite à l'islamo-gauchisme? Et à cette question, face à la remontée de l'antisémitisme, une partie de la gauche, vous dites, a été aveugle pour 5%, complice 89%, indifférente pour 6%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Alexandre Bande, historien, professeur en classe préparatoire, qui a co-dirigé le livre Histoire politique de l'antisémitisme en France de 67 à nos jours, édité chez Robert Laffont. Bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est très heureux aujourd'hui. Et vous vous demandez pourquoi il est très heureux? Parce qu'il y a beaucoup de femmes sur ce plateau. Oh ben j'adore, mais elles ont de quoi répondre. Oui, c'est dangereux. Ben oui, il y en a. C'est un vendredi, ma chère Absolument, Cécile. Absolument, c'est un vendredi. Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente fondatrice de Futurae. Bonsoir. Bonsoir Virginie. École des métiers de demain dans les industries créatives. Et on est ravis d'accueillir. Je vous arrête, qui va créer dans son cursus le cours Qui c'est qui l'a dit? Oui. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre. Non, c'est pas...
c'est le test d'entrée. C'est parce que j'ai eu une bonne note une fois. Oui, vous avez battu le record avec 19 points. Rendons à Virginie ce qui appartient à Virginie. Et elle détient toujours le record, je vous signale. Absolument, je vous rappelle. 19 points à 0. Maddy Saïdi est avec nous, conseillère en communication d'influence et auteure de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. Maddy. Bonsoir. 19 points. Je dis ça, je dis rien. Alors là, oui, bah oui, alors là, oui, comment dire. J'étais en forme ce jour-là. J'essaie même pas de rivaliser. Moi aussi, si. Ce jour-là, ça équivalait à un 6-0 à Roland Garros, là. C'était. Et sans tricher. Enfin, contrairement à d'autres. On croit, enfin, on pense qu'on n'a pas, les. L'arbitre était en parce que parfois, on n'a pas la vidéo. Il y a quand même des sacrés tricheurs, parfois. Non, pourquoi vous dites ça, des tricheurs sans péril en triomphe sans gloire. Des tricheurs, qui c'est qui l'a dit? Bah alors ça, je vais vous dire, ça m'étonnerait. Si vous avez des preuves, donnez-les-nous. Allez, 0826-300-300 avec Sébastien qui est avec nous de Strasbourg. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Merci. Strasbourg, très jolie voix. Ville. Pardon. Très jolie région. Mais il a aussi une très jolie voix. Donc, en fait, j'ai fait un blow. J'ai fait un mot pour deux. Voilà. Et Philippe Bilger qui adore Strasbourg. Ah, j'adore Strasbourg. Bah oui, La route des vins, Colmar. Oui. J'espère mon compatriote sera certainement à la hauteur. Mais si vous voulez, j'ai quelques adresses de très bons restaurants à Strasbourg. Non, on compte sur Sébastien, si ça ne vous dérange pas. Sébastien, de quoi parle-t-on dans un instant? Du manque d'expérience des éventuels futurs premiers ministres. Ah oui, c'est un sujet. Et en attendant, le répondeur 0826-300-300, on écoute. Oui, c'est pour dire, Français, ne vous laissez pas capturer ni voler votre vote, quel qu'il soit, par les crétins d'Internet ou autres youtubeurs. Personne ne les écoute, c'est vraiment peanuts. On n'a pas besoin d'influenceurs comme eux pour nous dire ce qu'il faut voter. Donc voilà, les Français sont plus intelligents et ne sont pas infantilisés par ces crétins d'Internet ou autres youtubeurs. Voilà. Ne vous laissez pas faire ni manipuler. Votez comme vous le pensez. Vous êtes libre et vous n'avez pas besoin d'influenceurs. Les youtubeurs, personne ne les écoute et ne les regarde. Qu'ils aillent se faire voir. Merci. Un sage conseil, peut-être. Je ne peux qu'approuver cette incitation à la liberté intellectuelle et politique, d'ailleurs, qui est la règle ici. Hein. Virginie Calmels. 100% d'accord. Surtout qu'il y a une petite tendance à l'abus de faiblesse sur des personnes âgées, par exemple, dans les maisons de retraite et ainsi de suite. Oui. Alors, ce n'est pas les youtubeurs, les influenceurs, mais c'est d'autres personnes mal intentionnées. Donc, que chacun garde la liberté de son vote. J'ai cru que vous parliez de moi, même. Cher Philippe. Non, c'est pas possible. Je ne me permettrai pas. Maddy Saïdi. Complètement d'accord. Je pense que des Français sont capables de choisir les personnes pour lesquelles ils veulent voter. Je trouve que ça fait partie de la liberté. On a de la chance dans notre pays de pouvoir voter en toute conscience. Donc laissons les Français choisir leur avenir. Et retour à Strasbourg avec Sébastien sur ce manque d'expérience des éventuels premiers ministres et éventuels premiers ministres. Et oui, parce que je reste sur le débat qu'ils ont eu face à face ensemble il n'y a pas si longtemps que ça, qui pour moi était vide de tout intérêt, c'était même affligeant. Je veux dire que c'est ça l'avenir de la France. Pourtant, je suis pas beaucoup plus vieux, mais je n'ai pas la prétention, moi, à 37 ans aujourd'hui, de dire que je serais capable de diriger un pays ou un gouvernement avec l'expérience que j'ai. Mmh. Et quand on voit que les deux là, ils n'ont aucune expérience de la vie. C'est des professionnels de la politique depuis toujours, ils ont même pas fini leurs études. Pour moi, c'est l'un, c'est la marionnette d'Emmanuel Macron et l'autre, c'est la marionnette de Marine Le Pen. Sans vouloir leur manquer de respect, mais l'un et l'autre sont peut-être compétents, mais leur marionnette, j'en suis pas convaincu. Alors, on va faire réagir les vraies voix, Sébastien. Philippe Bilger, c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique, depuis 2017, et Emmanuel Macron élu à 39 ans, on a la carte vermeille quand on est quinquagénaire. Hein. Oui, Sébastien, je comprends bien ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est partagé par un certain nombre de Français, mais je le trouve tout de même un peu sévère. Il me semble d'abord, quand il met sur le même plan Gabriel Attal et Jordan Bardella, et ensuite, comme disait Goethe, si la jeunesse est un défaut, on s'en corrige vite. Mmh.
comme c'est bien dit. Bon, on dit aussi que le talent n'attend pas le nombre des années, donc voilà. Je suis quand même d'accord avec Sébastien. Le talent et l'épaisseur n'est pas la même chose. Hein. Oui, mais je suis d'accord avec Sébastien, c'est-à-dire qu'à un moment donné où on a quand même le sentiment d'une profonde immaturité ou un manque d'humilité, et je pense que l'intelligence de l'un ou de l'autre, ce serait de faire appel à des gens plus seniors avec beaucoup plus d'expérience, parce que on le voit bien, ça ne s'improvise pas, et c'est sans doute une des fonctions les plus difficiles. Donc un peu de maturité, un peu de hauteur ne ferait pas de mal. D'ailleurs, quand Sarko a fait des très bonnes interviews dans le JDD récemment ou dans le Figaro, oui, tout le monde s'est dit « Ah, enfin de la hauteur !» Et je pense qu'on a quand même besoin, à un moment donné, des sages, pour ne pas dire des vieux sages. Mais vous avez abandonné la politique, c'est de votre faute. Hein. Moi, j'ai abandonné parce qu'ils n'ont pas voulu de moi face à ça, Éric Ciotti. Mais, vous savez, vous citez Goethe, etc. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Hein. Allez, on laisse la parole. Madi. Ça, c'est vrai, là. Oui. Je suis en partie d'accord. Alors, effectivement, si la jeunesse ne doit pas être un handicap, mais effectivement, pour faire de la politique à un certain niveau, je crois que c'est important aussi d'avoir un petit peu de bouteille, comme qui dirait. Et l'humidité, c'est très bien aussi, mais je crois qu'on est aussi dans un paradigme politique où les choses sont en train de changer. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que la politique, ça demande des compétences, une connaissance de la réalité sociale, politique. Et quand on est trop jeune, peut-être qu'il faut apprendre encore un petit peu, plutôt que de vouloir passer toutes les étapes de manière trop rapide. Sébastien ? J'aimerais résumer en juste une petite phrase qu'on m'a souvent dit depuis tout petit, c'est qu'avant d'apprendre à courir, on apprend à marcher. Ouais. Et je ne suis pas convaincu qu'ils ont appris à marcher tous les deux. Oui, mais ça se défend, hein, ça s'entend ce que vous nous dites. En tout cas, vous restez avec nous, Sébastien, et on est ravis de vous accueillir. Vous nous écoutez sur quoi, en fait ? Tablette. Radio numérique. Ah, DAB+. Radio, voilà. Et vous faites donc partie de ces 5 millions d'écoutes qui nous écoutent, qui nous ont écoutés au mois de juin. C'est formidable. Bah, c'est énorme. 5 millions. Bah voilà, envoie, hein, Sébastien. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, la parole est au procureur. De quoi parle-t-on ? Le président est-il génial ou fou ? Bah écoutez, c'est un bon sujet. Vous avez 2 heures. Allez, à tout de suite. À 19h, Philippe Bilger est avec nous. Virginie Calmels, Maddy Saïdi est aussi là. Et puis notre auditeur du jour, Sébastien, qui nous appelle de Strasbourg. Ça va, Philippe David ? Oh bah ça va très bien, et vous ? Oui, dans quelques instants, on reviendra sur cette dissolution de l'Assemblée nationale et l'ex-premier ministre Édouard Philippe qui a affirmé qu'Emmanuel Macron avait tué la majorité présidentielle. Vous avez envie d'en parler avec nous, 0800 26 300 300 tout de suite. La parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Le poète Émile Augier disait « Le génie est un flot baigné par la folie ». Et vous posez cette question, monsieur le procureur, Emmanuel Macron, génie ou fou ? Alors, qu'on comprenne bien, je ne veux absolument pas manquer de respect à l'égard de la fonction présidentielle. Mais je me pose cette question à partir des éléments suivants. Je vais essayer d'aller très vite. Non, on a le temps. Ah bah oui. J'oubliais, je suis tellement habitué à ce que... des routes des européennes, décision aberrante de la dissolution, libération de la parole, Édouard Philippe rue dans les brancards, Bruno Le Maire dénonce les cloportes, approuvé par Édouard Philippe, les candidats de Renaissance ne veulent plus du tout que le président de la République ouvre la bouche. Gabriel Attal devient pratiquement le responsable pragmatique de la majorité et peut-être même du pouvoir aujourd'hui. Et malgré tout cela, le président de la République dans le Figaro Magazine, et malgré les sondages, dit « la majorité absolue est à portée de la main ». Alors je me demande si il... a une intuition fulgurante, et dans ce cas-là, il redeviendrait le politique génial qu'on a connu, tout de même lorsqu'il s'est fait élire, ou bien est-ce qu'il se ment à lui-même, et dans ce cas, aimant aux Français, bien sûr, et dans ce cas-là, il est franchement au bord d'un déséquilibre. Donc c'est la question que je me pose. Virginie Calmels, le président est jupitérien ou il vit sur Jupiter ? Alors, comme disait Napoléon, du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Et là, je crains que... C'est très culturel, ce soir, tout le monde cite Goethe, je Napoléon. Je crains vraiment qu'on soit un peu tous, d'ailleurs, estomaqués par cette décision. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a personne
personne, je n'ai entendu personne pour défendre le président dans cette folie de dissolution. Ni sur le timing, ni sur le fond, ni sur l'opportunité. Un peu Darmanin au début, hein, un peu au début. Hein. Oui, mais alors, je vais dire que les membres du gouvernement étaient un petit peu aussi dans leur rôle. Bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est des gens libres, des commentateurs, divers et variés. Je pense même à des soutiens historiques d'Emmanuel Macron. Je pense même à Alain Minc ou à d'autres. Franchement, on n'a trouvé personne tellement. Mmh. C'est une sidération par rapport à un timing qui paraît alors là totalement ubuesque, a fortiori parce que les Français se sont justement exprimés dans les urnes au moment des européennes. Donc comment a-t-il pu rêver, imaginer, on voit un peu ça, sa rhétorique, c'est de dire bah, comme il y a les JO et comme vous voulez pas le chaos, vous allez finalement voter pour moi. Mais je crois que ça va pas fonctionner. Oui. Et du coup, je crains, cher Philippe, que la question posée, c'est pas de la folie, mais c'est peut-être du déni. Mehdi Seydi. Ben moi, je dirais que ça ressemble un petit peu à une forme de suicide, une espèce de suicide collectif. Quand on regarde comment va la France, pour ne pas dire comment elle ne va pas, justement, quand on regarde les résultats des élections européennes, quand on regarde les sondages qui commencent à venir, je ne comprends pas comment le président peut être lucide en disant eh ben, la majorité absolue est à portée de main. Soit il se ment, d'ailleurs c'est inconcevable, il ment aux Français, peut-être veut-il encore mobiliser ses troupes, mais c'est très compliqué pour eux. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ni le timing, ni l'acte même, et effectivement, personne ne le défend. D'ailleurs, ça fait déjà quelques mois que les ministres ont disparu, ils sont tous devenus des ombres, ils sont à peu près tous muets, et des parlementaires, plus personne ne veut être en photo à côté de lui, et encore moins mettre le logo Renaissance. Donc à un moment, c'est une forme de folie. Mais ce que vous disiez, Philippe, sur le mot cloporte venant de Bruno Le Maire, sur l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est terrible ce mot. Bien sûr, c'est-à-dire que la parole se libère, des inconditionnels n'ont plus peur de s'exprimer, et il y a peut-être quelque chose qui ne lui donnera pas raison. Je ne crois pas que le macronisme pourra avoir une majorité absolue, mais à partir du moment où on voit une augmentation drastique, on en a parlé hier, des procurations, 1 million en plus, et que Gabriel Attal, pour le pouvoir, a pris les choses en main, est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas une multitude de gens un peu effrayés par les extrêmes qui viendraient apporter leur soutien au macronisme? Je ne sais rien, c'est une hypothèse. Une info, c'est le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio du jour. Renaissance, enfin la majorité présidentielle perd 1,5 point à 21,5%. Le nouveau Front Populaire reste stable à 29 et le RN gagne 1 point à 35. Quand on voit les résultats de la majorité présidentielle, on peut quand même parler de déni quand on voit, parce que les sondages sont désastreux. Oui, mais il a toujours dit qu'il n'y croyait pas. Ben, il aurait dû le croire pour les Européens. J'entends bien, mais bon, je crois qu'il ne peut pas admettre une nouvelle défaite. C'est la troisième. Mais je crois bien. Mais là, on est dans un fait politique un peu particulier et un peu particulier. C'est plus les Européens où tout le monde a lâché les chevaux. Là, il se passe quand même quelque chose. Oui, mais là, et n'oubliez pas la majorité relative qu'il avait déjà mis dans un petit état de dépression, m'a-t-on dit. C'est là où il y a quand même un élément supplémentaire, cher Philippe. Quand vous posez la question de savoir si c'est de la folie ou si c'est réfléchi, voire du génie, je crains que les Français ne se posent cette question. C'est-à-dire que peut-être que dans un autre contexte, une dissolution, ils auraient peut-être fait le choix de la raison entre deux extrêmes qui ne les satisfaisaient se fait pas. Mais là, il me semble qu'il y a une nouvelle question qui se pose, c'est Emmanuel Macron est-il toujours sain de corps et d'esprit, lucide? Est-ce qu'on sait où il va? Est-ce qu'il réfléchit? Vous voyez, il y a eu trop d'articles pour expliquer qu'en gros, ils étaient mis d'accord avec quelques personnes ou même Alexis Kohler n'aurait pas été au courant de la dissolution. Et Gabriel Attal évidemment tenu à l'écart. Ça paraît sidérant que des décisions de cette force qui peuvent quand même mettre la France dans le chaos en 3 semaines, puisse avoir été prise à quelques-uns dont, pardon, on ne voit pas des grands stratèges de la 5e République. Et c'est cette photo qu'on voit dans les médias, elle est terrible. Quand on les voit autour du président, chacun a une... Alors, une photo de l'Élysée qui a été diffusée avec l'autorisation de l'Élysée, quand même. Absolument. Et quand on regarde, même quand on n'a pas vraiment une culture politique, quand on voit tous ces gens qui tantôt sont apeurés, soit sont choqués, c'est juste terrible, même pour l'opinion publique. Et il se passe quand même quelque chose de particulier.
particulier, c'est ces fronts qui sont en train de se construire. Aujourd'hui, on voit bien avec le front, comment j'allais l'appeler, oui, le Front Populaire, c'est ça ? Oui, le nouveau Front Populaire, le NFP. Le nouveau Front Populaire qui a bravé tous les interdits, tous les désaccords pour se mettre ensemble. Donc il y a quand même quelque chose de terrible qui est en train de se passer. Ce fameux chaos dont on parle, peut-être qu'on le vivra. Eh bien, merci beaucoup Philippe Bilger pour ce sujet. Et on va revenir justement sur cette dissolution de l'Assemblée nationale. L'ex-premier ministre Édouard Philippe qui a affirmé qu'Emmanuel Macron avait tué, je cite, la majorité présidentielle. Le maire de Havre appelle donc à créer, lui, peut-être une nouvelle majorité, Philippe. Alors, parlons vrai. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas gâché ses plus fidèles lieutenants ? Est-ce qu'il a encore, d'ailleurs, de la crédibilité aux yeux de son propre camp ? Et à la question du grand débat, comme l'a dit Édouard Philippe, Emmanuel Macron a-t-il tué la majorité présidentielle, vous dites oui à 93%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et ce sera Frédéric Sinclair, politologue, qui sera avec nous dans quelques instants. On fait une petite pause. Les vraies voix jusqu'à 19h. Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très heureux de finir cette semaine comme chaque semaine avec vous, Philippe David. Philippe David, racontez-nous une histoire drôle, Philippe David. Non, là j'en ai pas sous le bras. Vous n'êtes pas drôle, c'est pas possible. Vous nous en racontez tout le temps et dès qu'on a envie de rigoler, bah, ça ne fonctionne plus. Et Philippe Bilger est avec nous, Virginie Calmels et Mehdi Saïdi pour nous accompagner avec Sébastien de Strasbourg. Ça va Sébastien ? Il n'est pas là, mais il va revenir, ça tombe bien. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Écoutez, il a pris sa décision seule, souveraine. Moi, je sais ce que j'en pense, mais j'ai pas très envie de faire beaucoup de commentaires parce que je crois que l'important, c'est de parler de l'élection qui vient. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. On passe à autre chose. Et autre chose, ça ne peut pas être exactement la même chose qu'avant. Donc c'est créer une nouvelle majorité parlementaire qui fonctionnera sur des bases différentes de l'ancienne majorité présidentielle. Et j'y suis prêt. Et donc vous l'avez entendu, Édouard Philippe qui a affirmé qu'Emmanuel Macron a pris tout seul cette décision souveraine et selon lui, tuer donc la majorité présidentielle, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que la succession d'Emmanuel Macron est déjà lancée et est-ce que le macronisme peut survivre à Emmanuel Macron ? Et à cette question, comme l'a dit Édouard Philippe, Emmanuel Macron a-t-il tué la majorité présidentielle ? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on accueille notre invité Frédéric Sinclair. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, auteur de La refondation de la droite, publié chez Salvatore, et de L'extrême droite expliquée à Marie Chantal, publié à la Nouvelle Librairie. Et on adore ce titre. Ah oui. Merci d'être avec nous. D'abord un tour de table avec Philippe Bilger sur cette question. Comme l'a dit Édouard Philippe, Emmanuel Macron a-t-il tué la majorité présidentielle ? Alors il est clair qu'Emmanuel Macron a tué cette majorité présidentielle, puisqu'Édouard Philippe, et c'est normal, est enfin clairement, ostentoirement sorti du bois et qu'il propose une autre majorité qui offrirait, paraît-il, un chemin médian entre les extrêmes. Deuxième observation, évidemment, on est dans un climat extrêmement troublé, effervescent, contrasté, dangereux, mais en même temps, je suis sûr qu'il permet de poser un certain nombre d'interrogations tout à fait intéressantes pour notre futur. Et troisième élément, Emmanuel Macron va devoir composer avec peut-être une assemblée ingouvernable demain, le 7 juillet, le 8 juillet, et je lui souhaite d'une certaine manière, pour notre France, bon courage. Virginie Calmels. Alors, première remarque, moi ce qui me frappe, c'est que Emmanuel Macron n'a jamais voulu faire le deuil de ce qui s'apparente à une pseudo-défaite.
ne pas avoir la majorité absolue aux élections législatives juste après son élection était quand même quelque chose qu'il aurait dû acter, en prenant acte du fait que n'ayant pas une majorité, eh bien normalement, et c'est ce qui se passe quand même dans de nombreux pays, eh bien on doit composer et il aurait dû bâtir une véritable coalition. C'était la seule façon de s'en sortir pour faire passer des textes à la majorité, donner un cap à la France et dire « Voilà mon projet présidentiel remanié. » Remanié, alors c'était logique à l'époque, il y avait 60 députés LR qui pouvaient faire l'appoint. Remanié en négociation avec LR. Il ne le fait pas. Très étrange, il continue à dire qu'ils vont réussir texte par texte, ce qui le en même temps a sa limite, on le voit bien en politique étrangère, c'est quand même compliqué que sur des sujets donnés, il soit tout le temps dans le en même temps, mais admettons. Derrière, il y a un scrutin européen. Il perd très largement, c'est-à-dire que là, on ne peut pas dire... C'est sans appel. Hein. C'est sans appel, le RN moins fait plus du double. Le RN fait plus du double. Et là... Au lieu de se dire, eh bien, j'acte que quoi qu'il arrive, j'entre en cohabitation, puisqu'en fait, c'est ce qu'il va se passer. Soit il entre en cohabitation avec Bardella, soit il entre en cohabitation avec le nouveau Front Populaire, soit, de toute façon, il va falloir bâtir. Soit c'est sans doute ingouvernable. C'est ingouvernable, à mon avis, c'est malheureusement le scénario qui se profile. Ou bâtir, ce que semble dire Édouard Philippe, c'est-à-dire une nouvelle majorité, mais qui, de toute façon, ne va pas être à la main du président. Ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, en ne voulant pas reconnaître entre guillemets sa défaite ou le simple fait d'être en cohabitation, eh ben, il n'a pas appelé avant de dissoudre à une coalition. Là, ça aurait été intéressant d'enfermer pendant 24 heures un représentant de LR, un représentant de la social-démocratie et pourquoi pas un représentant de la majorité présidentielle actuelle, de leur dire vous avez 24 heures pour me sortir les 10 mesures qui permettent au pays de s'en sortir et sur lesquelles vous êtes d'accord, donc vous bâtissez un projet sur lequel il y aura une majorité. Et il était le président au-dessus qui mettait en œuvre avec un nouveau gouvernement cette feuille de route. Et en ne faisant pas ça, je crains qu'on aille au-devant d'un pays ingouvernable. Mahdi Saïdi. Alors à défaut d'avoir une majorité morte, elle est moribonde. Ce qui va se passer là après les élections, en tout cas on est très loin d'Emmanuel Macron qui aurait tué la droite, qui aurait tué la gauche et qui a sorti un parti qui finalement gouverne en mélangeant tantôt à droite, tantôt à gauche. On est loin du en même temps. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il va tuer cette majorité. Il va y avoir beaucoup, je pense, de parlementaires qui vont perdre malheureusement leur siège. Ça, c'est sûr. Et ça, moi, je pense que c'est terrible parce que j'analyse comme un problème d'ego et quelque part... Pour le président de la République, il a pris sa responsabilité en agissant ainsi, et quelque part, il fait porter cette responsabilité sur le peuple français qui doit... L'élire de nouveau, entre guillemets. L'élire de nouveau. Sauf que lui, quelque part, je trouve qu'il n'a pas été responsable en agitant de la sorte et en mettant en danger notre démocratie. Frédéric Sinclair, vous êtes politologue. Quand vous entendez Édouard Philippe qui dit qu'Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle, est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas joué à la roulette belge qui se joue avec 5 balles et un trou, contrairement à la roulette russe où c'est 5 trous et une balle? Je crois que le malentendu concernant Emmanuel Macron date en réalité de 2016-2017. Je crois qu'il y a un malentendu sur la personnalité d'Emmanuel Macron qu'on a décrit comme un génie politique et que pendant 7 ans, on a voulu toujours faire passer pour un esprit brillant qui avait un coup d'avance sur le reste du pays, qui était un peu neuneux et qui avait besoin de rattraper les wagons. En réalité, c'est pas le cas. La chose a été actée par une journaliste du Point, en fait, Mathilde Sirot, qui publie un article au lendemain des émeutes. Emmanuel Macron part à la lanterne et à ce moment-là, elle fait un gros papier dans le Point où elle explique que finalement, Emmanuel Macron est un petit peu esseulé, un peu perdu. Le reclus de la lanterne, elle l'appelle. Et il y a un très proche d'Emmanuel Macron qui en off dit « On est en train de se demander ». Si le bonhomme est à la hauteur du job, je cite, c'est paroles in extenso, donc on est en train de se demander si le bonhomme est à la hauteur du job, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Il faut comprendre qu'il y a eu un malentendu de base sur celui qui devait être fier de son amateurisme en réalité, il y a un manque de compétences politiques à la base, donc forcément ça se passe pas bien. Et donc forcément au moment où on perd
la majorité présidentielle, ben, tous ceux qui étaient partie prenante de cette majorité présidentielle savent qu'ils vont pas réussir à la regagner et donc qu'il faut refabriquer quelque chose et donc que potentiellement on a soit une majorité ingouvernable, soit un Rassemblement national dont on nous explique depuis 7 ans, voire plus, que c'est le diable incarné, Hitler, Pétain et toute la clique, et donc qu'on ne peut pas l'avoir au pouvoir. Le malaise, il vient de là. Imaginons, en 2 secondes, petit cas d'école. Mmh. Emmanuel Macron, au lieu d'arriver à 14%, arrive devant le Rassemblement national, largement devant. C'est-à-dire que les chiffres sont inversés. Est-ce qu'il ne pourrait pas se demander à ce moment-là, mais si je faisais une petite dissolution, sachant que j'ai cette avance aux européennes, est-ce que ça ne me serait pas profitable à l'Assemblée ? Et pourrait rejouer le coup de Chirac-Villepin en 97 se planquer, mais il pourrait aussi profiter de ce moment un petit peu particulier où une élection européenne, il a une avance et il y joue pour retrouver une majorité absolue qu'il n'a pas eue en 2022. Donc en réalité, toutes les critiques qui vont sur Emmanuel Macron, elles sont mauvaises. La vérité de ce moment politique, c'est la poussée inexorable du Rassemblement national. C'est ça qu'il faut analyser. La vérité, c'est que tout le monde est en retrait. Pourquoi ? Parce que rien ne parvient, quel que soit l'effort médiatique et politique qui est fourni par les élites, rien n'arrive à freiner la poussée du Rassemblement national. Mmh. Philippe Bilger, qui est toujours à la hauteur du job des vraies voix. Non, mais en tout cas, Frédéric Sinclair, je ne suis pas en désaccord avec vous. Si le Rassemblement national monte inéluctablement, ça ne vient pas d'une opération du Saint-Esprit républicain. Si j'ose le terme, c'est tout simplement qu'on a une politique médiocre qui a facilité cette montée. Mais là où je voulais me permettre de vous poser une question, vous dites que certains ont dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur du job, comme on dit. Il me semble que depuis qu'il est président, j'ai toujours eu cette intuition un peu déplaisante que la politique, il ne la prenait pas au sérieux. C'était presque une activité ludique. Et par exemple, la dissolution, c'est un pari comme s'il était sur un tapis de casino. Est-ce que vous accepteriez cette vision un peu réductrice du rôle d'un président ? Oui, je suis assez d'accord avec vous, cher Philippe. Je pense qu'effectivement, il y a une carence. Hein. C'est Claude Lefort, déjà dans les années 70, qui dit « on a arrêté de penser la philosophie politique, on ne fait plus que de la sociologie politique et un peu d'histoire ». En ne pensant plus les idées, hein, le grand Thibaudet disait la politique ce sont des idées, donc en ne pensant plus les idées, ce qui forge réellement le cœur de la théorie politique, on arrive assez rapidement à des limites, et je crois qu'on les touche en ce moment. Mais plus largement, Emmanuel Macron, effectivement, est relativement faible en matière de pratique du pouvoir et de pensée du pouvoir, et donc il va... dans un cas comme celui-là, jouer ce qu'on appelle le premier corps du roi. Vous savez, il y a ce Kantorowicz qui est cet historien qui a théorisé les deux corps du roi. Le premier roi qui est le roi physique, celui qui meurt, et puis le deuxième corps du roi, c'est le corps politique, c'est la nation, c'est celui qui ne meurt pas et qui se transmet. Eh bien là, il joue une fois encore, de manière un peu narcissique, un peu égoïste, son propre jeu, son propre calendrier. Là où je me différencierais de la plupart des observateurs de la vie politique, c'est que je pense que son acte narcissique, censé servir uniquement sa personne, c'est-à-dire le remettre dans le jeu démocratique, est en réalité bénéfique au second corps du roi. C'est-à-dire, je crois que le corps politique était en état d'asphyxie. Je crois que notre démocratie était en train de mourir. Et même si c'est le chaos, il vaut mieux le chaos qu'un Emmanuel Macron qui ne fait rien et qui continue comme ça pendant 3 ans, parce que on entend autour de nous, et je pense que vous l'entendez tous, des gens dans la rue qui vous disent « mais c'est pas possible, ça va péter ». De façon très triviale, mais ça traduit assez bien finalement leur sentiment d'exaspération. Ils se disent « on peut pas continuer comme ça ». Et là, je trouve qu'Emmanuel Macron a bien joué. Même s'il y a les JO, même s'il perd sa majorité, même si on a une majorité incroyable, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de fabriquer autre chose qu'une majorité introuvable, c'est qu'on a besoin... collectivement, en tant que corps politique, on a besoin d'exorciser un certain nombre de démons. Et c'est en train de se passer. Les coalitions à gauche, les fractures au sein de l'air, tout ça, c'est bénéfique, de mon point de vue. Est-ce que dans les intervalles, ça veut dire que des personnalités vont pouvoir devenir, enfin, réémerger de nouveau, je ne sais pas, des François Hollande pour l'Assemblée nationale, des Édouard Philippe, est-ce que certaines personnalités vont pouvoir reprendre un petit peu de souffle ?
J'y crois, ça. Je pense que c'est déjà en train de se faire. Je suis en train déjà. Alors, mon pari, c'en est un autre, mais je pense qu'à gauche, la seule vraie gauche, c'est la gauche de Mélenchon. C'est-à-dire que les autres gauches qu'on aime, entre guillemets, c'est-à-dire les gauches démocratiques, les gauches laïques, les gauches qui ne sont pas communautaristes, qui ne sont pas décoloniales, celles auxquelles on est habitué, c'est-à-dire globalement, la gauche du XXe siècle, cette gauche-là est morte. Il faut juste l'acter, il faut juste l'accepter. Et donc, en fait, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, encore une fois, c'est la France insoumise qui donne le là. Pourquoi ? Mais parce que la gauche du XXIe siècle, c'est elle. Ensuite, on est en train de voir aussi qu'il y avait un malentendu chez LR depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre de députés incroyables qui étaient finalement assez proches de Macron et qui ont loosé, voté certains textes sans le dire, mais tout en le disant, sans l'assumer, mais tout en l'assumant. Et donc là, aujourd'hui, Ciotti a donné un grand coup de pied dans la fourmilière et il a clarifié d'une certaine manière les choses. Il a mis fin à ce cordon sanitaire qui était, pardon l'expression, mais c'était une fumisterie sans nom. Il y a depuis des années, à partir du moment où la base, c'est-à-dire le corps électoral vous dit on n'en veut pas, que les élites continuent de fabriquer artificiellement quelque chose, ça marche pas. Et donc, on les voit, ces nouvelles figures ou ces anciennes qui se recomposent, qui essayent de chercher. Vous avez David Lisnard qui est en train de refabriquer quelque chose dans son coin, qui présente 70 députés, enfin 70 candidats aux élections. Vous allez avoir aussi au sein des Verts forcément une recomposition. Vous allez avoir forcément aussi quelque chose qui va se passer autour de la gauche dite républicaine, l'ancienne, parce que forcément, il y a aussi des gens qui ne vont pas assumer la coalition LFI. Ouais. Il y a une recomposition, il faut l'accepter. Frédéric Sinclair, on a notre auditeur du jour, Sébastien de Strasbourg. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, je partage un peu l'avis de tout le monde et ça rejoint un peu ce que je disais avant sur l'inexpérience des premiers ministres. C'est l'inexpérience elle-même du président qui est là depuis bientôt 7 ans. Et je pense que sa majorité, il a commencé à la tuer lui-même dès son premier jour d'exercice. Et là où Édouard Philippe est un peu hypocrite, c'est qu'il en a fait partie de ce gouvernement. Il l'a fuyé, il a créé son propre mouvement parce qu'il le sait très bien que c'est mort depuis le départ. Il y a participé à cette mort. Mmh. Aujourd'hui, peut-être qu'il a fait, il l'a juste achevé. Il a donné le coup de grâce. Mais le décès de cette politique, il est acté depuis le départ. Depuis 2017. Depuis le premier jour de l'exercice, on oublie les gilets jaunes. S'il n'y a pas une police forte et puissante derrière, l'État tombe déjà depuis longtemps. Mmh. Et Macron tombe déjà depuis très longtemps. On oublie ça. On oublie énormément toutes les catastrophes qu'on a passées depuis 6 ans. Qui a à se demander où est-ce qu'on va. Et oui, quand on se dit demain, ça va être la tout va péter demain, bah c'est l'atmosphère, en fait. C'est comme ça que vivent les gens depuis 6 ans. Mmh. Depuis le premier jour, on se dit que ça va péter demain. Merci Sébastien. Un mot Virginie, un mot Maddy ici. Deux petites remarques. La première, c'est que Emmanuel Macron apparaît plus tacticien que stratège. Donc on voit bien la tactique, je prends tout le monde de court, c'est juste avant les JO, etc. Mais on sent qu'il joue vraiment très tactique, mais qu'il ne joue pas une stratégie, ni même une vision pour le pays, avec le risque du chaos dont on vient de parler. Qu'on lui reproche de ne jamais avoir de vision. Et la deuxième remarque, c'est que je suis d'accord avec ce qu'a dit notre expert. Frédéric Sinclair, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on a un déficit d'incarnation. Donc pourquoi nous dit-il que finalement, la gauche aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon? Je ne vous cache pas que ça me fait froid dans le dos. Moi, je suis une femme de droite, mais je pense qu'il aurait fallu qu'à un moment donné, par exemple, un Glucksmann est terriblement décevant. C'est comment il n'incarne pas, et c'est un déficit d'incarnation, de courage ou je ne sais mais quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne lui a pas donné le choix. C'est ça qui est dingue. Oui, et qu'il a accepté. Enfin bon, il venait d'être élu aux européennes en plus. Se coucher comme ça est inadmissible. Ouais. Donc, je pense que c'est un manque d'incarnation. Je pense qu'en fait, on n'a pas des vrais leaders. Et quand il y a un vrai leader, la droite l'a prouvé. Je veux dire, quand Sarkozy était à la tête des Républicains, enfin qui s'appelait à l'époque l'UMP, et bien là, on n'avait pas toutes ces batailles. Donc, il nous manque des vrais leaders. Et je crois que c'est ce qui conduit malheureusement à cet effritement dont notre expert a très À Antoine Frédéric Sinclair, UMP, maintenant ça veut dire un Macron perdu. Mais oui, c'est ça. Merci en tout cas, c'était passionnant. Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La Refondation de la Droite, publié chez Salvatore et L'Extrême Droite, expliqué à Marie Chantal, publié à La Nouvelle Librairie. À très bientôt et merci d'avoir été avec nous dans un instant. On garde Sébastien. Sébastien, le qui c'est qui l'a dit. On est prêt à affronter la meute sauvage. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mon Dieu, que ce moment est mythique.
À chaque fois, c'est Messi. Ah, c'est comme des tirs au but en finale de Coupe du Monde. Attendu, c'est... ça c'est sûr, il est attendu dans les vraies voix, voilà. Je vous assure. Avec les joueurs du jour, Philippe Bilger, avec Virginie Calmels, avec Madi Saïdi. Et parce qu'on a l'impression que Virginie et Madi sont des petits agneaux, mais... Non, elles ne s'en laissent pas compter. En fait, non. En fait, pas du tout. Ah bah, le mythe de la faible femme a vécu. Hein. Oui. Sébastien, vous êtes avec nous? Je suis là. On est prêt? On est prêt. Eh ben, envoyez le jingle, Sébastien. Allez, c'est parti. Les vraies voix sud radio, le quiz de l'actu. Il est bon pour faire de l'antenne, Sébastien. Allez, 0826 300 300, c'est ce numéro que Sébastien a fait pour jouer avec nous et nous vous en remercions. Et tout de suite, la première question qui vaut 3 points. Question qui c'est qui l'a dit sur Éric Ciotti. C'est un petit Pierre Laval. Sébastien. Ça clash. On va dire que c'est son ennemi juré. Oui. Ah ben, bah, d'accord. Je sais. Sébastien. Sandrine Rousseau. Non. Estrosi. Bonne réponse. Ah, il a été plus rapide, Philippe. Christian Estrosi. Non, c'est Crostian. Hier, on a discuté l'arbitrage, m'a dit, et donc il l'arbitrera plus correct ce soir. Oh, je vous en prie. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Facile. Le président de la République a dissous la majorité présidentielle. Il l'a dissous. On passe à autre chose. Sébastien. C'est... Oula. Allez-y. Un ex-premier ministre. Langocha. Non, il l'a dit. Il l'a dit, Edouard Philippe, il l'a dit dans le casque. Oh, okay, on a pas entendu. Il l'a dit. Sébastien de justesse, effectivement, mais vous l'avez dit. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Le président n'a pas eu à tuer la majorité présidentielle. Elle s'était tuée elle-même. Alors, Sébastien, c'est... Non, c'est un député de l'ex-majorité présidentielle, un ex-député de la majorité présidentielle, qui est maire. Enfin, non, qui était maire. Qui est un ex-maire de Poissy. Bonne réponse de Virginie Calmels, qui marque 3 points. Qui c'est qui l'a dit? À 2 points. Les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Ils sont dans les rainures des parquets. C'est très difficile de s'en débarrasser. Sébastien. L'angocha, là. Le maire, c'est moi. On l'a tous dit en même temps. Non, c'est clair. Non, c'est Philippe qui a été le plus rapide, me dit-on, dans le casque. Indiscutablement. Tous discutent. On m'a dit, il n'y a pas de galanterie ici. Je sais bien. De toute façon, on l'a remarqué. Je ne fais pas d'illusion, cher Philippe. Je demande la photo. Sébastien, écoutez bien, c'est peut-être pour vous celle-là. Question qui c'est qui l'a dit à 2 points. En 1936, Léon Blum n'avait pas d'expérience parlementaire. Ils sont deux à l'avoir dit. Mathilde Panot. Bonne réponse de Sébastien qui engrange 2 points. Voilà. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Macron est fini. Face au nouveau Front Populaire, seul reste les fascistes. Sébastien. Mélenchon. Bonne réponse de Sébastien. Hey, très bon, Sébastien. Il est bon, notre Sébastien. Ah oui, il est même excellent. Qui c'est qui l'a dit? 2 points. Écoutez bien, la majorité absolue est à la portée de main. Sébastien. Trop facile. Sébastien. Et j'ai pas compris, est à la portée de main. De main, à la portée de main. La majorité absolue est à portée de main. Sébastien. Bah non. Rousselot. Non. Là, c'est tellement... Bon, Madi, qui est Fanny pour le moment, lui met 2 points. Oui, et puis, Allez. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? La dernière. Les gars, les filles, les non-binaires, on va voter, nouveau Front Populaire. Point barre. Alors, c'est pas un homme politique, c'est une actrice. Sébastien. Qui a montré ses attributs sur la scène des Césars. Alors là, on vous aide. Ouais. Ah bah oui. Bon, j'ai pas regardé. Non, c'était au César, c'était l'année dernière. Bonne réponse de Madi Seydi, Corinne Massiero. Une beauté. Oui. Oh bah dis donc. Moi je me rappelais de Sophie Marceau qui était beaucoup plus belle. Oui, absolument. Allez, qui c'est qui a gagné? Alors bah là c'est très serré parce que 5 points pour Madi, 3 points pour Virginie, 5 points pour Philippe et 6 points pour Sébastien. Ah, c'est pas bon.
Je vais rassurer Virginie, comme elle a fini dernière, vous êtes quand même le très loin des 19 points à 0. Hein. Mais oui, mais vous m'enlevez des points. Non, mon petit chat. Bah oui. En tout cas, c'est Sébastien qui a gagné. Moi, je suis très contente qu'il ait gagné. Bravo, Sébastien. En plus, il a des points de vue très intéressants. Et surtout, il connaît parfaitement Mélenchon. Et il a une très jolie voix, Sébastien. Je vous le dis. Comme il est de Strasbourg, il patauge pas dans la choucroute, c'est sûr et certain. Si on avait pu. Il n'est pas comme vous, c'est pas une saucisse. J'ai pris un coup dans le jarret, là. Sébastien, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite un très bon week-end dans un instant. Le tour de table de l'actu. On fera un petit point, bien entendu, dans une dizaine de minutes. Mais de quoi parle-t-on ? On est revenu au gilet jaune. Ah, mais très bien. Virginie ? On va parler d'intelligence artificielle, de destruction d'emplois et de formation inadaptée. Maddy Saïdi. Alors moi, je vais parler des artistes qui appellent à voter le nouveau Front Gauche au nom de la morale. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant. C'est Les Vraies Voix et on vous remercie de votre fidélité à Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Alphonse, qu'est-ce qu'on est bien ensemble avec vous tous les jours de 17h à 19h avec Philippe Bilger, bien sûr, mon cher Philippe. Mes chers animateurs, quel bonheur. Bah oui, bah quel bonheur. Et pourtant, cette soirée va se terminer. Eh oui, bah oui, il y a une fin à tout, mais c'est pour mieux revenir. Comme disait Fioran, tout finit bien puisque tout finit. Voilà une pensée optimiste. Je pense que cette émission a un niveau culturel, mais alors exceptionnel. Non, mais ne considérez pas que votre ignorance, d'une certaine manière, fait de tout de la culture. Je rêve ou il cherche les crosses ? Oui, il cherche. C'est El Padre, Il padrino, en italien. Si. Je ne voulais pas vous faire plaisir des verges pour vous faire battre. Allez. Je vous en prie. Virginie Calmels, toujours aussi au top. Oui. Maddy Saïdi, pareil. Bonsoir, toujours. Merci. Et puis un coup de gueule de notre Philippe David, parce qu'il n'est pas content. Tous les jours à 18h08, il n'est pas content. Je ne sais pas qui l'est. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village pour dire que je ne supporte plus, mais plus du tout, les références historiques tronquées que les politiques nous répètent à l'envi. On écoute ceci. Une toute dernière question, il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous notamment, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante: quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Ah, attendez, je le dis juste parce Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum? Vous venez de l'entendre, Mathilde Panot, validant les propos de Jean-Luc Mélenchon qui ose dire qu'en 1936, Léon Blum n'avait pas d'expérience parlementaire. Petite erreur, en 1936, Léon Blum était député depuis 17 ans, puisqu'il avait été un des rares élus de gauche dans ce qu'on appelait à l'époque la Chambre Bleu Horizon. C'était en 1919. Merci à notre confrère Benjamin Duhamel de lui avoir rappelé. Continuons avec le maire socialiste de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi, qui a osé tweeter une photo de Pétain et Pierre Laval avec la légende, je cite, « à tous les imbéciles qui répètent vouloir voter pour l'extrême droite car on n'a pas essayé, une petite piqûre de rappel ». Rappelons à l'intéressé que Pierre Laval conduisait sous l'étiquette socialiste la liste du cartel des gauches dans le département de la Seine, c'est-à-dire Paris et la Petite Couronne, en 1924. Continuons encore avec le général de Gaulle, encensé par tout le monde ou presque aujourd'hui, comme celui qui a refusé de capituler devant les nazis. Le même général de Gaulle que François Mitterrand qualifiait dans son pamphlet « Le coup d'État permanent » publié en 1964 de « caudillo », de « duce », de « fureur », bref, de « Franco », de « Mussolini », de « Hitler ». Je vous laisse apprécier le sens de la mesure de l'ancien chef de l'État à l'égard de son illustre prédécesseur. Un Mitterrand qui nazifiait de Gaulle, l'homme du 18 juin 40, alors qu'il n'avait pas eu de problème à recevoir la Francisque des mains de Pétain le 16 août 1943. Un de Gaulle dont le parti communiste, alors qu'il l'encense aujourd'hui, collait des affiches sur lesquelles était écrit « De Gaulle, c'est le fascisme ». Bref, ras-le-pompon de ces donneurs de leçons qui sont aussi crédibles dans leur comparaison historique qu'une vedette de télé-réalité faisant un exposé de physique quantique. Parlez politique, si vous en êtes capable, j'ai déjà des doutes, car pour l'histoire, vous n'êtes pas nul, vous êtes carrément nullissime. Philippe Bilger. Vous avez raison, l'inculture historique est d'autant plus grave lorsqu'elle touche les politiques qui prétendent donner des leçons de morale
à partir d'hier sur aujourd'hui. Et deuxième élément, à propos du général de Gaulle, rappelez-vous, il avait refusé lui-même de servir de l'argument de la Francisque lors d'une campagne présidentielle contre Mitterrand, parce qu'il ne voulait pas que la fonction présidentielle soit dégradée. Absolument, c'était en 65. Virginie Calmels, d'accord avec mon coup de gueule ? À 100% d'accord, cher Philippe, parce qu'en fait, ce qui fait du mal, je pense, à l'ensemble des Français, c'est de voir l'abaissement de la classe politique et notamment en termes culturels. Ah oui, c'est affligeant. Et c'est tellement affligeant qu'en fait ça laisse sans voix. Et c'est vrai que pour ça, la France insoumise tient le haut du panier. Ah oui. Nadi Seydi. Bah bravo et merci pour ce coup de gueule qui franchement... J'ai cru vous allez dire merci pour ce moment, ça m'inquiète pas. qui franchement est d'utilité publique. C'est hyper important qu'on rappelle les choses. C'est terrible de voir combien nos politiques se fourvoient en colportant des choses qui n'ont absolument rien à voir, et à un moment, et ça fait vraiment plaisir et du bien d'entendre la réalité. Et là, vous venez de lui dire d'utilité publique, l'autre il va avoir un enfer. Excusez-moi, j'ai les chevilles qui gonflent, elles ne passent plus dans le studio. Ça va être un enfer. Merci Mehdi, merci. Six mois de bonheur, allez bam. Allez, 0826 300 300. Et nous allons à Douai avec Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe. On est ravis de vous accueillir, Xavier, parce que nous avons forcément une très belle nouvelle à vous annoncer. Vous êtes déjà au courant, puisque vous avez remporté un très joli cadeau offert par Sud Radio et le collectif Handicap Visuel, puisque vous allez aller le 2 août à 17h15 au stade Pierre Mauroy à Lille pour voir la finale, un match de basket pour deux personnes. C'est génial, un grand merci à vous, un grand merci à Sud Radio. Et un grand merci à l'association Handicap Visuel. Et c'est vraiment super, super génial. Et vous allez pouvoir accompagner une personne en situation de handicap visuel. Vous allez y aller avec qui, vous, de votre côté ? Oh, je vais y aller avec l'un de mes enfants. Génial. Des fans de basket. Ah, parfait. Et puis alors là, il y a les plus grandes équipes. Alors, il y a évidemment les Français. Je vous rappelle qu'on a eu la médaille d'argent il y a 4 ans. Les Américains, qui nous avaient malheureusement battus pour la médaille d'or. Il y a les Serbes. Il y a tout ce qui se fait de mieux en termes de basketball. En tout cas, merci d'avoir joué avec nous. On est très heureux de vous offrir cette belle soirée. Vous nous écoutez comment à Douai, dans le Nord ? Enfin, dans le Nord, oui. Oui, sur la bande FM. Ah, sur la bande FM à Douai. Eh ben voilà, ah bah, à Douai. C'est parfait. Très bien. Eh ben, accrochez-vous à cette bande FM. Et merci de votre fidélité. Gros bisous, papa. Allez, on embrasse papa. Vous restez avec nous dans un instant, la suite de cette émission, et on reviendra sur le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Petit tour de table rapide. On revient aux gilets jaunes. Déformation inadaptée face à l'IA et la destruction d'emplois. Avec Mehdi Saïdi. Les artistes qui appellent à voter pour le... Bon, j'arrive pas, moi. Ce nouveau front populaire. Et ben voilà. De la morale. Il faudra bien que ça rentre. Allez, à tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, ouais. Avec évidemment Cécile de Ménibus. Comme elle me reproche de le faire de manière trop sérieuse. L'immense Philippe Bilger. Voilà. La grandissime Virginie Calmels. Et la tout aussi grandissime Mehdi Saïdi. Mais mon Dieu. Oublier l'excellent réalisateur, le grandissime Maxime, alias le chef, et au standard, l'incontournable Aude. Ça va c'est le lèche-botte blues, comme chantait Edith Michel. Philippe David. Faites simple, en fait. Faites simple, comme d'habitude. Vous êtes bien avec les vraies voix. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Et pour vous, Philippe Bilger, les gilets jaunes sont de retour. Oui, même si j'ai... Pardon. Si j'ai été démenti hier par l'excellente Françoise de Hongrois, je continue à penser aujourd'hui que Emmanuel Macron fait l'objet d'une hostilité qui, depuis quelque temps, dépasse très largement le registre politique pour rentrer dans une véritable haine presque royale, en quelque sorte. Et naturellement, ce qui m'a fait penser au retour des Gilets jaunes, c'est le fait que aujourd'hui, le couple Macron lui-même semble discrédité. J'ai été frappé par un épisode dont on a peu parlé, c'est Brigitte Macron allant
à l'enterrement de Françoise Hardy hier, étant huée à l'arrivée dans l'église. Mmh. Alors, on les entendait bien, et cette indécence montre qu'on a changé véritablement encore de séquence, qu'on se retrouve dans un moment où, avec les gilets jaunes, le couple Macron était dans un collimateur totalement odieux, sans comparaison avec les précédentes conjonctures politiques. Alors que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont été applaudis, c'est important de le dire. Bah, je suis assez d'accord avec Philippe. En tout cas, pour moi, les gilets jaunes n'ont jamais disparu. Parce qu'en fait, le mouvement, oui, mais le fond du problème, c'est-à-dire en fait des personnes, et je le rappelle, au début du mouvement, c'est des personnes qui travaillaient. On n'était pas l'assistanat. On était dans des gens qui travaillaient, pour beaucoup d'ailleurs des femmes isolées, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts en fin de mois. Et on a un sujet de bas salaire en France. Et ce sujet, il n'est pas nouveau et il n'a pas été réglé. Mmh. C'est pas le quoi qu'il en coûte qui a enrichi les restaurateurs et les hôteliers, je suis très contente pour eux, mais la réalité, c'est que ceux qui étaient des professeurs, des instits, des aides-soignantes, des infirmières et ainsi de suite, nos forces de l'ordre qui n'avaient pas leurs heures supplémentaires payées et ainsi de suite, eh bien, tout ça n'a pas été résolu. Et là où c'est un peu dramatique, c'est qu'au fond, on a l'impression que les années passent, 7 ans quand même au gouvernement, mmh. et ces problèmes majeurs qui datent quand même maintenant, c'était à peine un an après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, eh bien, n'ont pas été résolus. Donc oui, le terreau est toujours là, et du coup, la colère, elle se manifeste, y compris par des huées, et ça se cristallise sur la personne d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, mais plus généralement, moi, je pense que ce sera quand même un rejet global de la politique qui a été menée. Maddy Saïdi. Absolument, je suis d'accord, je pense que les jaunes sont toujours un petit peu là. D'ailleurs, on le voit bien dans tous les sondages, l'une des préoccupations majeures des Français, ça reste le pouvoir d'achat. Et effectivement, moi j'étais très choquée par les images hier. Un deuil, c'est quand même un lieu de recueillement, et les gens n'ont pas eu de gêne, n'ont pas eu de retenue, ils les ont hués. Et c'est vrai que ce que j'entends ici et là, c'est que le rejet d'Emmanuel Macron est tel que les gens n'ont plus de limites. D'ailleurs, ça peut aussi, quelque part, expliquer le vote qu'on a eu dimanche dernier. C'est tout sauf Emmanuel Macron. Ouais. Virginie Calmels, puisque vous évoquiez l'intelligence artificielle, la destruction certainement d'emplois. Oui, alors j'avais envie de revenir là-dessus. D'abord parce que les élèves en terminale viennent de passer des épreuves du bac et qu'on est à se préoccuper de leur avenir professionnel. Mmh. Et surtout dans une période de campagne où je suis assez frappée, le thème, alors la santé qui est pourtant un des sujets majeurs est très peu évoqué, et l'éducation aussi. Alors Gabriel Attal en a un petit peu parlé, il parle d'intelligence artificielle, mais finalement c'est assez absent alors qu'on parle beaucoup des projets économiques et notamment d'un côté du nouveau Front Populaire et de l'autre du RN. On a assez peu de vision sur quelque chose qui va être une transformation majeure, hyper structurante et relativement inquiétante. De la destruction. Alors, est-ce que ce sera schumpeterien et est-ce que ce sera une destruction créatrice d'emplois ? On voit vraiment de façon claire les emplois qui vont disparaître. On voit moins les emplois qui pourraient être créés. Et ce qui me frappe, c'est qu'on continue à envoyer des classes d'âge dans des formations très larges qui ne débouchent pas sur l'emploi et des BTS, commerce international, en veux-tu, en voilà. Et malheureusement, on oublie, comme tout toujours dans l'orientation des étudiants, de leur rappeler qu'il faut vérifier derrière s'il va y avoir un débouché professionnel. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que ces métiers vont être remplacés par des métiers très technologiques. Donc Absolument. Ça veut dire qu'il y a un problème de compétences et d'expertise que les autres n'auront pas. Exactement, c'est pour ça que j'avais créé Futuraf, qui existe toujours et qui pour des jeunes en bachelor ou en master, une formation vers les métiers qui sont en tension. Parce que le paradoxe, c'est qu'on continue à envoyer ces jeunes dans des formations qui ne déboucheront malheureusement sur rien, alors qu'à côté, on a des entreprises qui continuent à se plaindre qu'elles ne trouvent pas la main-d'œuvre adaptée à leurs besoins. Donc c'est, pour moi, c'est suicidaire. Mmh. Je trouve fou qu'on n'arrive toujours pas au 21e siècle, avec tous les outils qu'on a, à donner aux jeunes la capacité à mieux choisir leur destin et à s'orienter vers les formations qui peuvent réellement leur offrir un emploi et surtout un emploi de demain, c'est-à-dire un emploi en phase avec l'arrivée de l'IA. Qui est déjà là aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est ouais, ça, c'est ce qu'on ça. Appelle emploi de demain. Ouais, tu as fait raison. Dans 5 minutes. C'est déjà aujourd'hui. Philippe Bilger. Je me souviens d'une époque où il y avait des révoltes d'étudiants parce que les universités souhaitaient précisément offrir des débouchés rapportant aux entreprises ce qu'elles attendaient. Et je vois que ça n'a pas changé, Virginie. Non, et en fait, on a beaucoup critiqué le numerus clausus sur les fonctions, notamment médicales, alors qu'on a besoin de davantage de médecins. On a limité par un numerus clausus, et à côté de ça, on n'a jamais été capable d'imposer un numerus clausus, notamment dans des formations type sociologie, sont les certaines humanités, où ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de sociologues, mais pas en quantité. Pas autant, mais exactement. Donc en fait, on emmène directement une classe d'âge au chômage, et malheureusement, rien n'est fait aujourd'hui pour contrecarrer ce type de mauvaise orientation. Madi, d'accord avec ça ? Complètement d'accord, c'est l'éternel problème de l'inadéquation de la réalité de notre marché de l'emploi et celui de l'orientation. Oui. C'est vrai qu'il y a tellement de formations qui honnêtement ne mènent à rien et c'est terrible parce que les gamins vont étudier pendant 3, 4, 5 ans, ils sortent avec des diplômes et il n'y a pas d'emploi à la sortie. Oui. Et ça c'est terrible, mais on en parle depuis tellement d'années et je crois que c'est hyper important. L'IA effectivement va faire disparaître des métiers, il y en aura certainement des nouveaux, mais peut-être qu'il faut se réveiller, essayer d'adapter nos formations à ce nouveau marché de l'emploi qui certainement va se créer. C'est aussi un problème d'orientation, c'est-à-dire que les conseillers d'orientation, faut-il encore qu'ils les connaissent ces métiers ? Absolument, il y a ce problème-là. Il y a aussi le gouvernement qui vient de mettre un coup d'arrêt au contrat d'alternance, en professionnalisation. C'est ça. Et là, carrément, un arrêt. Et sur l'alternance, ils vont probablement procéder au fameux coup de rabot. Ce qui va faire que les entreprises auront un reste à charge plus important. Est-ce que, du coup, les entreprises voudront continuer à avoir des alternants ? Probablement pas. Entre vouloir donc, et pouvoir, fait, c'est ça le problème. Comme toujours, on tue ce qui marche et on ne réforme pas ce qui ne marche pas. Et avec vous, dans un instant, Madi Saïdi, on reviendra sur ces artistes qui appellent à voter Front Populaire au nom de la morale. Allez, à tout de suite. Philippe Bilger avec Virginie Calmel, c'est Madi Saïdi, et bien sûr avec Philippe David. Et Madi, on revient à vous sur le tour de table de l'actu des vraies voix, sur cette demande finalement, ou cette, et vous allez me le dire mieux que moi, certainement, sur le fait qu'il faut voter pour le nouveau Front Populaire, pour des raisons de morale. Alors oui, alors aujourd'hui mon coup ça y est, de, j'ai réussi à le dire. Soir, c'est cette injonction qui nous est faite, parce que pour moi je prends ça vraiment comme une injonction de la part d'artistes qui appellent à voter pour le nouveau Front Populaire. Et j'ai en mémoire cette vidéo de notre amie Corinne Massero, qui enjoint les Français à voter dans des termes qui lui ressemble, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de grâce, beaucoup... Il y a du second degré, là. Avec un langage très châtié, en appelant à voter justement pour le nouveau Front Populaire pour sauver la France, et elle en appelle même aux racisés, alors elle se souvient que finalement elle n'est pas racisée, mais elle appelle les racisés à le faire, et en fait moi j'en ai assez, je pense que les Français sont un peuple raisonnable, ils savent ce à quoi... Ils ont des choix de société, ils en ont assez, ça fait 7 ans qu'on leur a vendu des choses qu'ils n'ont pas vues, et moi j'en en peux plus d'entendre ces artistes souvent de gauche invoquer la morale quand ça les intéresse. Moi j'aurais aimé l'entendre, cette charmante dame, s'exprimer sur les viols pendant les attentats terroristes du 7 octobre. J'aurais aimé l'entendre sur ce qui s'est passé hier à Courbevoie, sur cette gamine qui a été violée parce que juive. On les entend pas, et à un moment il faut qu'on arrête de nous prendre pour des moutons, on est capable de réfléchir et de faire nos choix. Philippe Bilger, c'est vrai que parler de morale, moi ça me fait penser instinctivement, on va pas revenir à Robespierre, au néoconservateur américain qui vous explique qu'il y a le bien, il y a le mal, et nous on est le bien, les autres sont le mal. Ça m'aurait étonné que vous ne fassiez pas rentrer par la fenêtre votre anti-américanisme. Mais ce n'est pas de l'anti-américanisme, mais vous n'avez rien compris. J'ai parlé de Robespierre aussi. Non, mais je vous mets entre parenthèses, mon cher Philippe. Ce qu'a dit Madi, et pardon de le dire, est tout à fait pertinent. Ce qui me frappe, c'est que ils oublient
quand il s'agit du nouveau Front populaire, tous les vices qu'il dénonce en permanence contre le Rassemblement national en d'autres circonstances. Le fait que le LFI soit totalement antisémite, apparemment, ne les gêne pas. Là, ça ne les gêne pas. Alors, moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a l'impression que l'argument moral n'a plus de portée. En fait, donc c'est d'ailleurs très étonnant que ces artistes se révèlent comme ça, donneurs de leçons au nom de la morale, parce que on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui la morale ne porte plus. On a starifié des gens qu'on sait être pertinemment des gens totalement immoraux. On a laissé en place des personnes qui avaient des comportements inadmissibles et que tout le monde savait, que ce soit aux 20h de TF1, à la tête d'un ministère de l'économie, etc. Et donc l'argument moral, finalement, dans une société qui, pour moi, est totalement décadente, on a l'impression qu'on assiste à la chute de l'Empire romain, c'est un argument qui ne porte plus. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, c'est l'extrême-gauche qui le brandit toujours, mais je pense qu'ils se trompent. Je crois que dans leurs outrances, ils permettent au contraire au Rassemblement national d'engranger encore davantage de soutien. Est-ce que c'est pas ça qui fonctionne ? Finalement, ces outrances, est-ce que finalement, à force d'outrances, de dépasser des limites, on n'engrange pas la colère ? Je reprends la remarque de Cécile, la preuve, le LFI a gagné 3 points entre les européennes d'il y a 5 ans et celles d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu triste. Je suis d'accord qu'en tout cas, pour passer le mur du son médiatique, l'outrance est évidemment plus simple à manier que des positions un petit peu plus modérées ou qui nécessitent davantage de subtilité et d'explication. Moi, je reste convaincue à la fin qu'ils sont surcotés. J'espère que les Français se rendent compte, quand on prend la peine de lire ne serait-ce que quelques points de leur projet, que vraiment, il faut absolument faire barrage à LFI. C'est le chaos absolu. C'est tout ce qu'on déteste, au fond, et c'est pas le vivre ensemble. Donc, je crois quand même, in fine, que dans la théorie des grands nombres, les Français ne se tromperont pas et ne mettront pas LFI devant le reste. Merci beaucoup, Mahdi Saïdi, pour ce sujet. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix, une vague d'indignation parmi les leaders politiques après le viol de cette jeune fille juive à Courbevoie samedi dernier. Alors parlons vrai. Êtes-vous surpris par le comportement d'une partie de la gauche vis-à-vis de l'antisémitisme ? Est-ce que pour vous, l'antisémitisme a majoritairement basculé de l'extrême droite à l'islamo-gauchisme ? Et à cette question, face à la remontée de l'antisémitisme, une partie de la gauche est-elle aveugle ? Vous dites 6%. Complice, vous êtes 89%. Indifférente, vous êtes 5%. Vous voulez réagir, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Alexandre Bande, historien, professeur en classe préparatoire et a co-dirigé ce livre Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours, édité chez Robert Laffont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question, est-ce que finalement le clientélisme électoral a plus de poids que la conviction ? Bonsoir, merci pour votre invitation. Écoutez, la question nous propulse directement dans un enjeu qui est très important et sur lequel je ne peux pas surfer trop rapidement. Le clientélisme électoral est toujours un fléau, de toute façon, d'où qu'il vienne. Et d'une manière générale, nos concitoyens, nos contemporains manquent de données leur permettant de réfléchir. Je vous ai écouté un petit peu parler de la situation et je la connais fort bien pour la suivre au jour le jour. Donc je pense que le clientélisme électoral est peut-être une option choisie par une partie des gauches actuelles, en particulier LFI, vous en parliez sur ce point, on est nombreux à penser la même chose. D'une manière générale, ce qu'il faut souhaiter, c'est que nos contemporains et co-citoyens soient susceptibles de s'informer, de s'éclairer, de regarder un petit peu le présent à l'aune du passé. Et nous, en tant qu'historiens, enfin, je parle au nom de mes collègues aussi, on a cette fonction-là, en espérant être de temps en temps entendu. Eh ben, on en parle dans un instant. Ne bougez pas. 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et dernière ligne droite de cette semaine avec Philippe Bilger, avec qui nous avons passé une semaine formidable. Philippe. Ah oui, mais grâce à vous. Oui. Grâce à vous deux. Bon. Je ne vois pas de réponse. Vous le pensez tellement peu pour moi. Mais plus lui ou plus moi ? Évidemment, vous ne m'obligez jamais à répondre sincèrement à une telle question.
Virginie Calmels, on est ravis de l'accueillir vous aussi. Vous formez un duo irremplaçable. Ouais, c'est merci. Ça, ouais. Présidente fondatrice de Futura et l'école des métiers de demain dans les industries créatives, et Madi Saïdi qui est avec nous, bien sûr, conseillère en communication d'influence et auteure de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Des gens de LFI manifestaient aux côtés du Parti des Indigènes de la République pour mercredi crier à l'horreur d'un acte antisémite et du viol d'une jeune fille, comme si tout cela n'avait aucun que ce soit très clair, je n'aurais jamais fait alliance avec des personnes dont je soupçonne qu'elles puissent être antisémites de manière structurelle, ça n'est pas possible. Or, aujourd'hui, il me semble nécessaire plus que jamais, si comme le dit Sandrine Rousseau, cet antisémitisme n'est pas systémique, alors il est nécessaire de purger le nouveau front populaire de tout ce qui permet à ce langage d'être tenu. L'indignation contre Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis. Des centaines de personnes se sont donc réunies sur ce parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. C'était mercredi pour protester contre la hausse de l'antisémitisme en France suite au viol brutal d'une jeune fille juive à Courbevoie. Le drame survenu samedi dernier a provoqué une onde de choc à travers le pays en plein cœur de la campagne législative. Alors parlons vrai. Quand vous lisez dans une tribune publiée par le journal Le Monde que l'antisémitisme de gauche serait finalement moins grave que celui d'extrême droite, êtes-vous d'accord avec cette approche? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison ou tort quand il dit que l'antisémitisme est résiduel en France? Et à cette question, face à la montée de l'antisémitisme, une partie de la gauche est-elle, vous dites, aveugle à 6%, complice à 89%, indifférente à 5%? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Pour en parler, Alexandre Bande est avec nous, historien, professeur en classe préparatoire qui a dirigé ce livre, hein, Histoire politique de l'antisémitisme en France de 67 à nos jours, et c'était édité chez Robert Laffont. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, petit tour de table d'abord avec vous. Vraiment, je suis très heureux d'avoir un historien sur ce sujet ô combien sensible. J'ai lu récemment dans Le Monde, et Philippe vient d'y faire allusion, une tribune où en gros on disait que l'antisémitisme de gauche actuel était moins grave parce qu'il était conjoncturel, alors qu'il y a un antisémitisme de l'extrême droite qui serait structurel. J'aimerais véritablement tout à l'heure connaître l'avis de notre historien, parce que j'entends aussi dire à propos de l'antisémitisme de l'extrême droite qu'il aurait disparu en surface, mais que profondément il demeurerait. J'aimerais vraiment avoir des lumières objectives sur l'histoire de cet antisémitisme tel qu'il est traduit aujourd'hui par une extrême gauche qui tombe dedans, de mon point de vue, et une extrême droite qui paraît s'en être distanciée. Madi Saïdi. Moi, je pense que l'antisémitisme, qu'il soit de droite ou de gauche, il faut le condamner. Et je trouve que c'est une manière lâche, quelque part, de ne pas condamner une réalité en disant, ben, vous savez, à gauche, c'est des moins droites, et des moins graves, et à droite, c'est des beaucoup plus graves, ce qui n'est pas vrai. Et après, si moi, je vais vous parler d'expérience personnelle, toutes les fois où moi, j'ai pu être victime de propos racistes ou témoin, de propos antisémites, eh ben figurez-vous, c'est toujours des gens de gauche qui m'ont dit, eh ben dis donc, t'as pas honte, tu es noir et tu as des idées de droite. Donc voilà, il y a aussi deux poids, deux mesures. L'antisémitisme, d'où qu'il vienne, il est à condamner, un point à tirer à la ligne. Virginie Calmels. Je trouve qu'on a été saisis une fois de plus par l'effroi de cette jeune fille, enfin petite fille, hein, parce que 12 ans violée à Courbevoie, tout ça est insupportable. L'antisémitisme, il est réel, il est très présent dans notre pays, et pardon, mais la France insoumise ne peut pas se draper soudainement de vertu et condamner alors que tous les jours, il souffle sur les braises. Tous les jours, alors sans doute par clientélisme, dans une espèce de volonté de flatter et surtout d'importer le conflit israélo-palestinien sur notre territoire et de flatter cet islamo-gauchisme insupportable. Mais au-delà de ça, peut-être que pour ceux qui ne sont pas antisémites au fond, il y a une espèce de cynisme à vomir. Et on sent bien qu'ils exploitent un certain terreau à des vues, à des fins électorales. Bon, je trouve ça abject et je
trouve en tout cas que, sans vouloir défendre le Rassemblement National, moi j'ai pas entendu, j'ai pas vu, je me disais même, tiens, les fameux skinheads, vous savez, d'une époque, on sait même les pas où 80. Sont passés tout cela. Et en fait, on n'entend plus... Ils sont plus... ministres maintenant, je plaisante. On n'entend plus à l'extrême droite des personnes qui franchissent la ligne jaune, ou en tout cas, quand c'est le cas, ils sont sanctionnés. Mmh. Alors que l'extrême gauche ne sanctionne pas. Mmh. Il y a franchement des choses abjectes qui se sont passées à l'Assemblée nationale et qui ne sont pas sanctionnées. Alexandre Brand, forcément, on a envie de vous entendre sur ce sujet, sur la partie historique peut-être qu'évoquait Philippe Bilger. Oui, mais écoutez, je suis très intéressé par vos échanges parce que c'est des questions qu'on s'est posées et qu'on s'est posées en initiant ce projet d'ouvrage il y a quelques mois déjà, bien avant les attentats du 7 octobre, pour constater que dans notre société, alors que l'antisémitisme est officiellement prohibé par la loi, que l'antisémitisme est très fortement encadré par la loi Plévin, la loi Guesso, et qu'il y a un certain nombre de constantes chez tous les partis de gouvernement depuis des années pour essayer d'affirmer ouvertement une opinion hostile et une démarche destinée à combattre l'antisémitisme, que cet antisémitisme reste structurellement ancré dans la société française. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire d'une manière générale, à droite comme à gauche. L'antisémitisme n'a pas de couleur politique, contrairement à ce que d'aucuns peuvent dire, même si en fonction du contexte et en fonction des moments dans lesquels se trouve une société, les uns ou les autres peuvent le manipuler ou l'alimenter ou le suggérer dans des proportions plus ou moins différentes. Et donc, pour revenir sur la question de M. Bilger et sur la question de savoir s'il avait bien en ce moment un antisémitisme plus dangereux à gauche qu'à droite, ou si les deux étaient moins dangereux, enfin, si celui de gauche serait moins dangereux que celui de droite, je pense qu'il y a une profonde différence en termes de structure, originellement parlant, et je n'ai pas le temps ici de faire un cours d'histoire, j'en suis désolé, mais sur les origines de l'antisémitisme contemporain à l'extrême droite, les extrêmes droites nationalistes de la fin du 19e siècle et jusque dans les années 30, voire après la Seconde Guerre mondiale, avait fait de la racialisation de l'appartenance à la communauté juive un aspect essentiel. Donc un antisémitisme qu'on pouvait appeler racial ou raciste. Un antisémitisme également, on va dire, nationaliste et aussi parfois culturel. À gauche, et originellement, il y avait une volonté de défendre les juifs de France, reprenons l'affaire Dreyfus. Une partie des gauches sont derrière le capitaine Dreyfus. Mais il y a depuis les origines un antisémitisme de gauche qui a une vocation essentiellement économique. Hein, les Proudhon, Jaurès en son temps s'est même laissé aller à des propos très durs à l'égard des juifs à la fin du 19e siècle. Donc je sais bien que nous ne sommes plus dans les années 1880 ou 1920, mais en 2024, il reste des choses qui ressurgissent. Et je pense que, pour faire simple, parce que je sais que vous avez besoin de réponses courtes, mais dans le contexte actuel où les relations israélo-palestiniennes sont catastrophiques et où se produisent des violences de part et d'autre, et où elles ont été initiées, ne l'oublions jamais, par le terrible pogrom du 7 octobre, nos concitoyens ont besoin de clarté. Et l'antisémitisme de gauche, comme celui d'extrême droite ou de droite s'il subsiste, a toujours les mêmes effets. C'est-à-dire que le discours, il peut varier, les objectifs peuvent varier ou les finalités peuvent varier, mais à l'arrivée, ce sont toujours des violences. Ce sont toujours les juifs qui, dans ces cas-là, sont victimes de ces violences, soit symboliques, soit psychologiques, soit physiques. Et pour avoir, moi, je suis d'abord historien de la Shoah, et avoir travaillé de longues années sur ce à quoi menait la détestation des juifs quand elle était portée à son paroxysme, je sais qu'il faut toujours se méfier des discours qui prétendent être plus ou moins que les uns et les autres. Et pour répondre rapidement à une deuxième remarque concernant l'attitude du Rassemblement National depuis plusieurs mois et la différence qui pourrait exister entre le sommet du parti et l'électorat, dans notre ouvrage, Valérie Gounet, qui est une historienne qui a beaucoup travaillé sur le sujet, montrait très clairement qu'il y avait, certes, au sommet, et là-dessus, les comportements actuels le démontrent, une attitude tout à fait irréprochable, ce qui incite un bon nombre de nos concitoyens de confession juive à se rapprocher du Rassemblement National, mais qu'il pouvait y avoir, comme dans d'autres sphères de la société, des images, des clichés, des images d'Épinal, complot juif, pouvoir dans la presse, pouvoir de l'argent, qui dans certains courants étaient surreprésentés. Et je termine sur cette idée, c'est qu'un sondage qui datait du début de 2020 ou de fin 2018-19, donc assez récent, montrait que lorsqu'on demandait aux Français s'ils considéraient que les Juifs avaient trop de pouvoir dans la presse ou trop de pouvoir dans le monde de la finance, la moyenne nationale tournait aux alentours de 20%, mais que dans deux partis, RN et LFI, on était au-dessus de 35 et 36%. Pour l'un, 35, pour l'autre, 36. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant qu'historien, je fais attention et j'essaye d'apporter un éclairage qui soit plutôt apaisant plutôt que clivant. La société est aujourd'hui
ultra clivé, mais il n'empêche que d'opposer un antisémitisme à un autre n'a, à mes yeux, aucun sens. Voilà. Merci. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, mais vous étiez passionnant. Merci beaucoup, Alexandre Bond, d'avoir été avec nous. Historien, professeur en classe préparatoire qui a co-dirigé le livre « Histoire politique de l'antisémitisme en France de 67 à nos jours » édité chez Robert Laffont. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Et on vous emmène au rugby. Rugby. Bonsoir Alexandre Priam. Alors ce bonsoir à tous, la crème de la crème, puisque les quatre derniers champions d'Europe, par ailleurs finalistes du dernier Brennus, se retrouvent, et c'est sur Sud Radio, bien évidemment. Bien sûr. Coup d'envoi 20h15 ce soir, prise d'antenne dans quelques instants sur Sud Radio pour cette première demi-finale de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. C'est un grand match, c'est un grand classique maintenant du rugby français, et ce sera ce soir du côté de Bordeaux, du Stade Matmut Atlantique, avec Daniel Herrero, François Trio et toute l'équipe. Et puis on suivra aussi en parallèle, je ne sais pas si vous êtes au courant, à 21h, il y a un petit France-Pays-Bas, deuxième match de phase de poule dans cet Euro pour les hommes de Didier Deschamps. On suivra ça évidemment avec toute l'équipe. Soyons au rendez-vous, 19h, 23h ce soir sur Sud Radio. Et contrairement à Mbappé, vous n'arrivez pas masqué. Et bon match les amis, on vous écoute. Match. Allez, passez un bon week-end. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Virginie Calmels, merci beaucoup Madi Saïdi, merci Philippe David, merci à notre équipe de dingue, Maxime... bien sûr Aurore Aude. Aurore aussi, je pense aussi à elle, bien entendu, elle a tellement travaillé avec nous, Eve et Félix Mathieu, et puis Elvin. On se retrouve Elvin. Oui, et puis Elvin bien sûr au web. Allez, tout de suite Sud Radio, les incontournables de la gestion de propriété, et nous on se retrouve à 17h lundi. Voilà, passez un très bon week-end. Salut, merci de votre fidélité.